Amis tireurs, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus sur le terrain, avec cette fois-ci la chance qui fait vraiment d'avoir un très beau soleil, pour essayer une arme que les tireurs connaissent sans doute bien. C'est un mousqueton suisse Schmidt Rubin, qui est bien particulier parce qu'il a une culasse à mouvement linéaire. Donc il suffit de pousser et de tirer, il n'y a pas d'autre mouvement à faire. Alors, il y a eu un premier modèle qui est sorti en 1898, qui était un petit peu différent de ceux qui sont venus après. C'est toujours le même système, mais celui-là était à 12 coups et il tirait une munition de 7,5 par 53. Ensuite, en 1911, ils ont modifié, ils sont passés à 6 coups au lieu de 12 et un calibre un petit peu plus puissant du 7,5 par 55. Là, c'est un modèle 1911. Alors, il y a eu le G98, le fusil 1898, il y a eu le G11, fusil 1911, ça c'est le K11, c'est-à-dire le mousqueton. Carabine ou mousqueton est un petit peu plus court, 1911. Et ensuite, il y a eu le plus connu d'ailleurs, le plus utilisé je crois par les tireurs actuellement en tard, c'est le K31, le mousqueton 1931. Il n'y a pas de grosse différence et ils tirent exactement la même munition, ils ont la même capacité. Donc voilà une arme qui est intéressante, qui est en bon état et qu'on va pouvoir essayer. Alors j'ai deux munitions, des munitions militaires qui datent de 1980, qui sont commercialisées par WAG, et des munitions fabriquées en Serbie par les partisans, la firme Partisan. Donc des munitions plutôt chasse, là, pas des munitions de guerre, mais s'il y a le même poids de balle, on devrait avoir à peu près les mêmes résultats. Bon, ben Jean, je vais te présenter cette arme. Alors moi, je ferai des essais à 50 mètres pour vérifier si elle est bien réglée, pour faire des premiers tirs. Et puis ensuite, on fera des essais à 100 mètres. Et si tu veux, je te laisserai faire les tirs à 100 mètres. D'accord. Et si tu n'es pas capable de faire mieux que moi à 50 mètres, toi, en tirant à 100 mètres, c'est que tu n'es pas si fort que ça, finalement. Je suis licencié. Voilà, tu seras licencié. Je serai licencié. Bon, ben, je recherche un emploi. Éventuellement, cher camarade, bonjour déjà. Tireur, je recherche un emploi, voilà. Le démonstrateur. Alors, c'est vrai que là, on est quand même dans le Suisse, quoi. On nous parle souvent de montres suisses, de chocolat suisse, mais pour nous, ça reste un fleuron de l'armurerie en Europe, cette manufacture des Schmidt Rubin. Très, très joli fusil de guerre, avec dessus ces guidons sous oreilles, là, qui sont justement... dérivables, parce qu'ils sont montés comme ça sur une queue d'arrond dérivable, en le poussant en avant ou sur l'arrière, on va pouvoir modifier justement la dérive du tir. La hausse, avec une hausse quand même qui affiche 1500 mètres, vous voyez, ce sont des hausses type Moser. On a vraiment une arme dont l'ajustage, je pense qu'on doit avoir quoi. On est au dixième de millimètre là-dessus pour une grosse industrie armurière quand même. On a un poli extraordinaire, toutes les pièces sont polies, c'est vraiment la preuve. C'est que elle est de quelle année à peu près celle-ci? Je sais pas s'il a débarqué dessus. Enfin, à partir de 1911 quoi. Voilà. Donc on a vraiment un très très beau fusil. Elle est quand même centenaire certainement. Une mécanique parfaite, hein, vraiment. On a très très petit peu de piqûres, moi j'en vois pas là, à l'œil nu. Il faudra après vraiment se pencher dessus. Quant au système culasse, il est parfaitement... Bon, il manque un petit peu d'huile, Michel aurait dû mettre un petit peu d'huile, donc je ne serai pas le seul puni sur cette affaire. Mais d'habitude tu dis voilà. Toujours que je mets oui. Trop d'huile. Non, mais là il n'y en a pas assez. Et là j'en ai pas mis du tout. Voilà, le chargeur amovible mais comme ça. Mais c'est du militaire, ça va fonctionner aussi bien sans huile. Hein. Alors normalement on dit toujours qu'une arme on la sèche hein, pour pouvoir faire du tir. Je vous le dis, je vous le répète, quand on huile une arme, il y a deux façons de la huiler. On la huile avec des huiles spéciales et des graisses parce qu'on va la stocker. Après on la huile pour un stockage classique. Quand on dit arme sèche, vraiment sèche, c'est pour la revue d'armes. Maintenant, quand on part au combat, c'est une mécanique. On veut que la mécanique fonctionne. Donc, pour ce faire, on va mettre de l'huile. Mais ça se passe au pinceau, l'huile, en réalité. C'est tout. C'est pas la peine de mettre des coups de burette partout.
Donc ne transformons pas une arme, quelle qu'elle soit, en friteuse. Simplement, une arme, c'est une mécanique. Et pour ça, il faut la lubrifier. On a un chargeur amovible. Je la passe à la bombe aérosol, c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai partout. Ah oui, c'est pour ça qu'il y en a partout. Moi, je passe tout. Je m'en mets plein les mains aussi. Je passe tout au pinceau. Vous avez vu sur la petite vidéo que j'avais faite sur l'entretien des armes. On passe ça au pinceau, il n'y a pas de souci. Donc, ce petit chargeur amovible, très sympatoche. Alors, là, il y a une chose intéressante. C'est, dans ce pontet, vous avez une queue de détente. Regardez la courbure de la queue de détente. Elle est faite vraiment pour accrocher l'index et de manière à ce que l'index ne glisse pas. Et quand on accroche vraiment, et même avec un gant, ou quand en Suisse il fait très froid, on a un gant ouvert, on a juste la phalange qui vient. Et cette phalange, elle est légèrement frigorifiée, vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous ne pourrez pas glisser, même avec votre phalange très très froide, engourdie par le froid, vous viendrez prendre parce que vous avez vraiment une queue de détente en virgule. Et d'ailleurs, à chaque fois que je prends le poids de départ, moi, quand c'est en simple action, c'est le cas ici bien sûr, je le prends à l'extrémité de la queue de détente parce que c'est là qu'on a vraiment le bras de levier le plus long. Mais là, il n'est pas question de le prendre à l'extrémité parce que vraiment le doigt est guidé. Donc on va le prendre au centre du creux, on ne peut pas placer son doigt autrement. Et là, le départ, bah, je crois que je l'ai mesuré à 1 kg, c'est vraiment, oui, alors, c'est vraiment très, attention, très léger. Ce départ, ce n'est pas un départ d'une arme militaire, il est beaucoup trop léger et on risque, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Quand on va le prendre, ce départ militaire, ici, c'est quasiment rien, quoi. Au bout, hop, ça part tout seul. Vous voyez, j'ai essayé de le faire, j'y arrive pas, ça part tout seul. Non, là, c'est trop dangereux. C'est vraiment un départ qui a été fait par un armurier pour transformer cette arme de guerre en arme de tir sportif. Il est évident que quelqu'un qui fait du tir sportif va se réjouir d'avoir un départ comme ça. Par contre, vous confiez une arme comme ça à un militaire avec un départ aussi léger, aussi sensible, il vous dira non, c'est pas possible, on n'a pas le temps d'ajuster. Bon, ça part. C'est trop, trop dangereux. Donc, on est vraiment sur une arme militaire. Regardez la plaque de couche. Hein. Plaque de couche en acier, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'on tapait dans une fenêtre pour l'ouvrir, une porte. Ça veut dire qu'on pouvait casser quelque chose avec cette plaque de couche. Ça veut dire aussi que, dans le combat rapproché, on pouvait s'en servir. Prenez une plaque de couche acier. Sur toutes les armes de guerre, vous avez ces plaques de couche acier. Mais de l'époque. Hein. Maintenant, avec les armes dont les crosses sont en polymère, etc., on n'a plus ce système. Mais à l'époque, on s'en servait, effectivement, c'était l'ouvre-boîte, hein, là, les plaques de couche. Hein. Mmh. Et ça cassait aussi l'ennemi devant, si ça lui faisait mal aux dents. Donc, on est vraiment sur ce type d'arme de guerre. Alors, par contre, il faut souligner le poids de l'arme. Là, on est sur un poids quand même conséquent. Quoi. Faut la porter la journée. Et c'est pour ça que, grâce à cette bretelle, le transport est quand même beaucoup plus aisé. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, une arme d'épaule sans bretelle, c'est une voiture sans volant, quoi. Donc il faut toujours avoir une bretelle. Donc on va essayer ça. On est sur une arme extrêmement bien ajustée. Hein, donc on a vu le canon, en plus il est miroir. On est sur vraiment de la qualité armurière. Et bah, tous les tireurs maintenant avec le TAR et justement cette législation qui s'est ouverte à eux vont se régaler parce qu'ils vont trouver des armes de grande, grande qualité. Pour pouvoir faire des tirs qui seront aussi des tirs de qualité. Donc je vous invite à aller voir vos armuriers et puis à aller regarder ce type d'arme parce que c'est vraiment un plaisir de la détenir déjà et surtout de tirer avec. Quoi. À un prix très raisonnable en plus. Ah oui. Parce qu'on avait vu le Mosin-Nagant qui est aussi une arme excellente. Oui, excellent. Mais c'est pas la même qualité de fabrication, c'est pas pareil, c'est du rustique le Mosin-Nagant. Là on a une très très belle qualité de fabrication et un prix qui n'est pas beaucoup plus élevé en fait. Alors à il peine existe plus élevé. Il existe plusieurs modèles, hein, bien sûr. Vous aurez aussi les modèles tireurs d'élite, hein, qu'on va appeler sniper. Alors je pense que comme beaucoup d'armes de manufactures d'armes de guerre, les modèles sniper, c'est effectivement des armes qui étaient testées, triées, par rapport à un H+L, pouf, on les mettait de côté et on les gardait pour les tireurs d'élite. Quoi. Après, on les équipait avec, bien sûr, lunettes pour les tireurs d'élite. Mais donc, on va continuer nos essais. Mais c'est joli, c'est simple. Cet armement qui se fait comme ceci, on peut après renvoyer quand vous avez chambré. Ici, vous renvoyez et vous pouvez très bien mettre l'arme ici. Vous la désarmez, mais vous pourrez chambrer après, réarmer ici et faire feu. Ou vous pouvez très bien aussi, une fois que vous avez armé, comme ceci, mettre l'arme ici. Oui, à moitié course, voilà, là, voilà. Ouais. Voilà. Donc là, l'arme, vous pouvez toujours... C'est vraiment bien. Et carrément, ici, effacer justement le cran d'armée. Vous aurez toujours une cartouche chambrée. Il vous reste simplement à faire ça. Et là, vous vous retrouvez en position...
Vas-y, recommence. Là, ce que je viens de faire, là, je suis armé. Ce que je vais faire, je vais désarmer mon système de feu. Je viens de désarmer, vous voyez. Si je veux, puisque j'ai une cartouche chambrée, repartir sur un système tir, il suffit que je réarme mon percuteur. Voilà, tout simplement. Donc, on avait la possibilité d'armer ou de désarmer manuellement le percuteur avec cet axe. Et vous remarquerez que, bon, à chaque fois que j'arme, ici, on va enlever le chargeur, ce sera plus facile. Parce qu'il faut que j'appuie à chaque fois sur la planchette élévatrice. C'est pas marrant. Donc, voilà, j'arme. Regardez, hop, c'est fait. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que je fais pas ça doucement. Parce que doucement, on n'y arrive pas. C'est une arme de guerre, ça se manipule, c'est comme un fusil à pompe, c'est assez viril. C'est... Là, je suis armé. Okay, mmh. Si vous commencez avec ce type d'arme à mollir, vous aurez des soucis. Donc, c'est une arme de combat. Voilà. Bon ben... Ok, ben, il n'y a plus qu'à l'essayer. Voilà. À tout à l'heure.